Parlez bien fort, pourquoi vous êtes sur le périphérique? Pourquoi vous bloquez? On est là pour sauver notre vie, pour sauver nos emplois. Moi j'ai commencé au mois d'août, je faisais 7 500 € de chiffre d'affaires. Parce que madame, le mois dernier j'ai fait 4 800 € de chiffre d'affaires. J'ai perdu 3 000 € en 4 mois. 3 000 en 4 mois. Donc c'est pour ça que je suis là. Et pour les JO aussi, c'est ça? C'est pour les JO et c'est pour un numerus clausus. Il faut plus qu'il y ait de chauffeurs, on a trop de chauffeurs. On a 30 chauffeurs, il faut arrêter. Il faut un numerus clausus. En fait, aujourd'hui, on est là pour défendre notre job parce qu'on on est menacé de se faire exclure de Jeux Olympiques. C'est que la mairie de Paris nous menace de ne plus exercer notre métier dans ce qu'on appelle la zone ZTL. C'est la zone où vraiment c'est une zone de transport limitée. Et donc là, si on ne fait rien aujourd'hui, si on ne se fait pas entendre, et eh bien, se faire virer de Paris, on n'aura plus le droit de travailler. Bloquer le périph', c'est la seule solution. C'est juste pour se faire entendre. Exactement, c'est tout ce qu'on demande, de travailler librement et correctement. Et on est vraiment engagé et on sert vraiment à quelque chose. Et on est contre la discrimination. Exactement. Le sentiment, c'est injuste. C'est injuste. Pourquoi nous, on n'a pas le droit de travailler librement et correctement à Paris et dans toute la zone de Paris? C'est tout ce qu'on demande. On a des sociétés, on a des familles, on a des responsabilités. On est engagé, on rend service à tout le monde et tout le monde le sait. Donc, on est vraiment, on est obligé de se faire entendre.
C'est pas pour rien quand même. On reste ici, déjà de 1, et de 2, s'il vous plaît, il n'y a pas de mégaphone. Mégaphone. Attends, on va le faire sur les réseaux. Tu m'as appelé ? C'est moi qui t'avais appelé dimanche. Tu m'as appelé Valentin. Ah, Valentin, excuse-moi. J'ai pas suivi. Bah, tiens, tu peux. La concentration. Attendez. Regardez sur les réseaux, comme ça au moins tout le monde entend. Regardez sur vos téléphones, comme ça, parce que j'ai pas le mégaphone là. Regardez sur les téléphones, je me mets en live, comme ça au moins, voilà. Bref, réunion, père la papa. Hein. S'il vous plaît. Si vous voulez entendre le discours, allez sur la page Facebook. Comme ça, je parle en même temps. Allez sur le live. Vous allez entendre. J'ai pas le mégaphone, là, je sais pas il est où. Bon. Réunion, père la papa. Vous savez ce que c'est la poudre magique. Mais je dis réunion, père la papa. Donc voilà. Donc du coup, on a discuté du numerus clausus. C'est devenu un mot tabou à un point que fallait pas le citer. Donc du coup, on a discuté du plan taxi à Bruxelles, parce que moi j'ai travaillé là-dessus avec mes camarades et je leur ai expliqué les bénéfices de ce plan taxi à Bruxelles et qu'aujourd'hui, ils ont limité l'accès à la profession pour éviter, les viols qu'on voit très souvent orchestrés par des faux chauffeurs qui se font passer pour des VTC, deux, de détruire le filet sécurité économique qu'on avait avant mais qu'on n'a plus. C'était un petit filet tout très fin. On avait à peine de quoi nourrir nos enfants et finalement on n'a plus rien. Donc je leur ai expliqué l'étude aussi qu'on a faite avec l'association personnelle d'Ataio qui montre bien la nécessité d'avoir un numerus clausus parce qu'il y a de plus en plus de chauffeurs et les revenus chauffeurs ne cessent de baisser. On leur a expliqué qu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi vous amenez 60 000 nouveaux chauffeurs qui ne peuvent pas accéder donc, au site olympique. Même le site olympique, on leur a dit une information qu'ils ne savaient même pas, preuve à l'appui, c'est qu'en fait, il y a une zone rose, d'accord, où ils nous ont dit qu'en fait, mais non, les taxis ne peuvent pas y aller. On leur a dit, ben si, les taxis peuvent accéder à ces zones-là, sauf nous. Donc on a transmis le document, ils n'étaient même pas au courant de ça. Vous vous rendez compte, c'est nous qui avons fait le taf, c'est-à-dire qu'on a transmis un document, ils ont dit, ben nous, c'est pas ce qu'on nous a dit, ben nous, c'est ce qu'on voit dans le papier, voilà. Donc, je vous confirme, vous êtes exclus. Donc, quand on a parlé du numerus clausus, je vous raconte même pas, ils en veulent pas, et ils nous ont parlé de l'exemple du boulanger, et j'en passe, je lui dis, mais le boulanger, lui, il est maître de son tarif. Le boulanger, lui, il n'est pas ubérisé, il n'est pas subordonné. Aujourd'hui, il subit pas une concurrence déloyale. Il ne voit pas le prix de la baguette proposé à 0,15, 0,11 centimes et tout ça. C'est nous qui subissons tout ça. Et je leur ai dit, lorsque vous aviez besoin de nous, à ce moment-là, le mot utilité publique, service public, les VTC, ils étaient là justement quand monsieur le secrétaire d'État, monsieur Djebari, avait dit, ils ont intérêt de travailler pendant le Covid-19. Vous vous rappelez de cette phrase-là ? Donc voilà. Là, maintenant, vous n'avez plus besoin de nous pour les JO. Donc ils ont été clairs qu'ils veulent favoriser les transports en commun. Et pas les taxis, ils ont dit, et pas les taxis, les VTC. Donc en gros, grosso modo, vous allez manger des miettes. Mais moi, je comprends pas. Le discours, il est incohérent. C'est-à-dire qu'ils te disent, ouais, on veut privilégier les transports en commun. Et de l'autre côté, tu ramènes 60 000 nouveaux chauffeurs. Il y a un gros problème. Donc on ne comprend pas leur discours. Je leur ai montré ce document. Voilà, ce document que j'ai eu en interne. 5000 candidats par session, par mois. 5000, les préfectures sont débordées, elles ne peuvent même plus contrôler les profils. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec des profils douteux. Et je vous le dis, ça va être les JO de la honte. Ça va être vraiment un scandale, il va y avoir un couac énorme. Non seulement parce qu'aujourd'hui les VTC sont exclus et qu'il va y avoir un manque de mobilité. Et aussi l'insécurité, c'est-à-dire que les plateformes ne regardent pas, elles en ont rien à foutre et elles renvoient la responsabilité aux préfectures. Et en plus de ça, je vous rappelle qu'il y a des faux chauffeurs, qu'il y a des rattachements de sociétés, enfin en bref, il y a tout qui ne va pas. Donc ils nous ont dit qu'ils allaient renforcer les contrôles.
Mais ils étaient censés le faire déjà. Donc on va attendre encore en fonction des contrôles. Ça ne m'intéresse pas. Donc là, ben, on a discuté, ils nous ont proposé une réunion le 8 janvier. Quand je leur ai dit on va parler de quoi? On va parler de l'accessibilité à la profession. Je leur ai dit attendez, est-ce qu'on parle du numerus clausus? Je leur ai dit on va parler de quoi? Donc à la fin, il a fallu faire du forcing. Et moi, je vais dire honnêtement, pour ma part, c'est une perte de temps sur cette histoire-là. Parce que quand on a parlé du nombre de chauffeurs qui étaient là, limite, on était en train de contester comme si vous n'étiez pas beaucoup. Donc, il faut taper fort. Ça veut dire que c'est à l'échelle nationale. Et le 8 janvier, ça, c'est une date nationale. Hein. Le 8 janvier, vu qu'ils ont proposé une réunion, le 8 janvier, manifestation nationale de tous les chauffeurs. Notre structure, elle est nationale. On appelle toutes les entités INV à manifester et vraiment aller dans le dur. Parce que là, il y a un moment, c'est plus possible. Donc ça, au moins, c'est fixé. Le 8 janvier, tout le monde le sait, on y va. Il faut multiplier les actions en attendant. Donc s'il y a des villes qui peuvent multiplier les actions, des opérations coup de poing, on le fera. Donc ça, c'est la partie numerus clausus. En tout cas, merci. En tout cas, on a parlé, on a discuté. Je peux vous dire que, voilà, ça a été, c'est toujours le même discours. Monsieur Ben Ali, vous êtes dur. Mes camarades sont là. Moi, je suis dur parce que je dois défendre mes camarades. Je suis pas là pour plaire. Déjà, un. Deux, on a parlé aussi des JO. Ils nous ont proposé une réunion avec la préfecture de police de Paris. Mais moi, je l'ai déjà, cette réunion. Et on sait ce qu'ils vont nous dire. Ils vont juste nous parler du plan de circulation qui est déjà défini. Ils nous ont dit qu'elle est changée. On n'en sait rien. Apparemment, ils sont en train de discuter pour que les VTC puissent travailler. Mais dans tous les cas, je vous dis, ça reste encore une fois un discours politique. Vous le savez très bien. Voilà. Ensuite, on a parlé de l'ARP, cette autorité gérée par Uber, l'autorité publique qui a voté un tarif minimum. Je leur ai posé stop, s'il vous plaît. Je leur ai posé une question. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes satisfait de l'accord du tarif minimum qui a été signé? Ils savaient répondre ou pas? Non, ils ne savaient pas répondre. En gros, ils se renvoient la balle de ministère en ministère. Donc, on a demandé la dissolution. C'est moi-même qui ai demandé un rendez-vous avec le ministre du Travail pour parler de la dissolution de l'ARP, une autorité qui est gérée par Uber, à tous ceux qui ne savent pas. Hein, c'est comme si vous avez un conseiller d'Uber au ministère des Transports. Voilà. Dans notre pays, on invite par exemple Amazon, les GAFAM et les Natu à gérer notre pays, à dire comment on doit travailler, combien doit être payé. C'est ça un peu. Donc on crée des autorités publiques, on paye avec de l'argent public, d'accord, pour sauver Uber, Bolt et les autres plateformes. Donc on a demandé la dissolution de cette autorité. Ensuite, on a parlé de la directive européenne, on a une victoire et la France ne va pas voter. C'est le seul pays qui s'oppose à la directive européenne. Tous les pays États membres vont voter la semaine prochaine. Je leur ai dit, vous prenez en otage, d'accord, les concitoyens français parce que vous leur avez pas demandé leur avis. Les chauffeurs veulent être indépendants. Vous n'avez pas à les subordonner. Et pourquoi la France refuse de voter? Parce que ça va dans le sens des travailleurs et pas celui des plateformes numériques. Donc on a demandé un rendez-vous en urgence avec le ministre du Travail pour changer la position française et voter le texte qui a été voté. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, il est hors de question qu'ils ne veulent pas d'une présomption de salariat et un renversement de la charge de la preuve. Moi, j'en ai marre que les chauffeurs aillent devant les tribunaux et que c'est à eux de prouver que Uber les a déconnectés et subordonnés. Le renversement de la charge de la preuve, c'est le Uber en question qui doit aller au tribunal et dire pourquoi il t'a déconnecté, pourquoi il t'a mis sur le carreau, pourquoi aujourd'hui t'es subordonné, tu ne maîtrises pas ta tarification. Et la présomption de salariat, quand tu n'es pas un indépendant, eh ben, tu peux saisir le tribunal pour ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Et je vais vous dire un truc, il faut absolument aller dans le dur. Parce que ce que j'ai vu dans cette réunion, c'est que tant qu'on n'est pas nombreux, et qu'on ne s'enflamme pas, vous voyez, il faut enflammer, je vous dis les choses, hein, toutes les villes de France, pour leur dire que c'est pas que VTC, c'est des pères de famille, c'est des êtres humains, c'est des électeurs, c'est des gens qui sont derrière au volant. Et ces gens-là, ils étaient là pour vous. Et du coup, non, c'est pas Brahim, c'est les chauffeurs, les chauffeurs. Solution numéro 1. C'est de bien préparer la manifestation, d'appliquer toutes les villes de France. Toulouse, les autres sont déjà prêts. Et Paris, je vous le dis, il faut monter un maximum. Il faut aller au-delà. Vous imaginez quand on leur a dit 3000, ils avaient les chiffres. J'avais l'impression qu'on était 200. Vous vous rendez compte ou pas? Je vous jure la réaction, lui, là. Gwenaëlle. Ah oui, ils étaient chauffeurs. Voilà. Fela, elle était là. Donc je laisse la parole à Gwenaëlle, peut-être qu'il y a deux, trois mots, vas-y. Donc c'est le représentant de l'antenne INV Paris.
Non, moi je tiens juste à vous dire, donc vous faites pas d'illusions, ceux qui sont venus pour les JO, c'est clair, on est juste invités à participer aux réunions, mais on n'aura rien. Donc soit on bouge vraiment et on bloque tout, soit c'est foutu. On bloque tout ! Voilà. Il n'y a que ça à faire. On est là, mais non, mais... C'est pas ça, interpelle personne là-dessus. De toute façon, n'espérez rien obtenir en douceur et en gentillesse. On n'aura rien. Et pour aller plus loin, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a, je vais parler de l'histoire. Je vais parler de l'histoire, vous savez, de la cliente. La cliente qui s'est fait violer par un pseudo chauffeur VTC. J'ai parlé de cette histoire-là. On est au courant. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la première qui se fait violer. C'est ça qui est grave. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces faux chauffeurs qui viennent? Il faut un numéro exclusus, il faut assainir la profession. Je vous promets que même ce document que j'ai eu en interne, ça leur a rien fait. Les 5000 chauffeurs qui arrivent, c'est limite le discours de la liberté d'entreprendre. C'est la liberté de nous mettre des chaînes encore, de nous enchaîner. 5000 par mois. 5000 par mois. Pour Paris. Hein. Et rien que pour Paris. Donc aujourd'hui, je vous le dis, on va durcir le mouvement le 8 janvier, date nationale, on appelle tout le monde, à faire le pied de grue devant les différentes préfectures et devant les différents ministères. Il faut absolument qu'on aille faire 3 équipes, une devant le ministère des Transports, une devant le ministère du Travail et même le ministère de l'Économie. Parce que eux, c'est qui font la dotation à tous les ministères. C'est eux qui donnent l'argent à tous les ministères. Les dotations, elles viennent du ministère des Finances. Et on demandera à être reçu par le bon interlocuteur. Puisqu'aujourd'hui, on nous envoie toujours les conseillers. Les conseillers, conseillers, on n'a pas besoin d'être conseillers aujourd'hui. Et qui aura le temps de nous recevoir. Voilà. On n'est pas... Est-ce que vous avez besoin d'être conseiller pour apprendre votre métier? Non. Donc voilà. C'est pour ça que je vous le dis, la position de la directive européenne, on lâchera pas là-dessus. La semaine prochaine, la France doit voter en faveur de ce texte-là. Il y en a ras-le-bol, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'ARP qu'on veut, cette autorité publique qui est financée par des fonds douteux, et j'en passe. Aujourd'hui, vous avez Uber qui finance un gendarme pour réguler notre profession. Et c'est un lobbyiste qui est dans une autorité publique et qui investit de l'argent avec des fonds publics pour faire la promotion d'une entité qui est entachée par un scandale que j'ai révélé, qui n'est autre que Bruno Mitling, qui a démissionné récemment parce qu'il avait peur de ce scandale-là, ancien lobbyiste d'Uber, dans une autorité publique. Voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Donc on lâchera pas, je vous demande d'être solidaires, de faire du bruit, on est encore là et on lâche pas. Voilà. Le 8, oui. Seulement pour résumer en 2 phrases, votre réunion avec les conseillers, comment vous pouvez la résumer en 2 phrases? Foudre de perles à papa, y a rien. Finalement, on est ressorti avec de possibles réunions, de possibles échanges, mais c'est une perte de temps. Donc voilà, le gouvernement, c'est l'histoire, comme j'ai dit, du serpent qui se mord la queue, parce que ils disent qu'à chaque fois on crée de l'emploi, mais là, il y a de plus en plus d'insécurité avec des chauffeurs qui ont des profils douteux, on ne contrôle même pas. Et de l'autre côté, on nous dit qu'on veut sauver, on veut essayer de sécuriser ces entrepreneurs qui travaillent pour qu'ils puissent générer un chiffre d'affaires suffisant. On les exclut des JO, ils ne pourront pas y participer parce qu'on est trop nombreux. Et de l'autre côté, on ne crée même pas de filet de sécurité. Dans les autres pays, on avance. En France, le pays des droits de l'homme et des lumières, on a décidé tout simplement d'aller dans le sens des plateformes de mérite. Vous n'êtes pas considéré, c'est quoi? C'est comment? Manque de considération. Aujourd'hui, Uber est plus considéré que les travailleurs. Uber, on a appris que maintenant, Uber est en train d'échanger pour essayer de trouver des solutions pour notre profession, alors que c'est une plateforme de mise en relation. Donc c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, on pourrait même donner une place au ministère des Transports à Uber, pourquoi pas? Puisqu'on a créé une autorité publique avec des fonds publics qui a été entaché par un scandale que j'ai révélé, qui n'est autre que l'ancien président de cette autorité qui est un lobbyiste d'Uber. Voilà. Donc pour ma part, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. D'un côté, j'ai les VTC, toujours plus de précarisation. Comment vous voyez la chose? C'est un appauvrissement? Écoutez, c'est un appauvrissement au point que moi, j'ai travaillé sur une directive européenne depuis 2019 qui a été portée par des élus, dont Leïla Chebbi, qui a été donc celle qui a proposé pas mal de solutions là-dessus. On a travaillé, on a proposé, à chaque fois, tous les États membres étaient d'accord, sauf qui? La France, qui torpille, qui dit « Non, ça va détruire donc une offre de travail à de possibles chauffeurs. » C'est pas possible, en fait. Finalement, on se rend compte que ce qu'ils veulent, c'est ubériser tous les secteurs d'activité. Je vous donne un exemple. Vous êtes journaliste. Vous imaginez, si je vous commande avec une plateforme numérique et je décide tout simplement de vous payer tel montant, d'accord?
Vous avez des obligations sociales, fiscales et patronales. Ça vous incombe à vous, sauf au plateau numérique. Et je vous dis, je vais vous fixer le tarif à 5 ou 6 euros. Mais c'est un problème, il y a un gros problème, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, ça ne permet pas de payer vos charges. Et de l'autre côté, c'est à moi de payer mon patron pour travailler. C'est-à-dire la TVA, c'est moi qui la paye pour Uber. Et Uber ne fait rien. Uber décide de tout, de la pluie et du beau temps. Il y a un gros problème. Et de l'autre côté, je vous rappelle qu'il y a des scandales. Il y a des femmes qui se sont fait agresser, violer. Le mouvement Uber s'est ouvert. Ça entache l'image des chauffeurs qui essayent d'exercer dans de bonnes conditions. Là, il n'y a rien qui est fait. Et la directive européenne, je reviens là-dessus, c'est la seule régulation. Pourtant, l'Europe, on critique beaucoup l'Europe. Hein. J'aurais jamais cru que ça viendrait de l'Europe, qu'en Europe, on propose de réguler les plateformes via une directive européenne. Et la France, la semaine prochaine, doit voter ce texte-là. Tous les États membres sont d'accord, sauf la France. Voilà, donc ça veut dire qu'on a des gens qui œuvrent pour les plateformes numériques. Voilà, Uber Files, on vous renvoie là-dessus. Mais la France, l'Europe, elle a le bon sens. Et bien évidemment, c'est la première fois qu'on a un espoir qui est porté par l'Europe. D'habitude, on critique l'Europe. J'aurais jamais cru qu'on aurait vu une proposition émanant de l'Europe pour réguler justement notre profession. Mais ça va mettre combien de temps? Le temps de retranscrire, le temps de mettre tout ça en place. Et encore, il faudra surveiller là-dessus. Ça prend 2 ans, 3 ans, donc il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Donc ils vont essayer de trouver des solutions. Essayer, réunion sur réunion. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre la solution miracle au dernier moment, qui sera peut-être même pas une solution. Donc pour l'instant, on est exclu. On est exclu des JO. Il n'y aura pas de Jeux Olympiques, ils ont été clairs, ils ont dit qu'ils vont privilégier les transports en commun. Mais attendez, transports en commun, il y a un gros problème, ils n'ont pas assez de transports en commun. Je leur ai dit, comment vous allez faire? Oui, mais c'est les discours de l'intel et l'intel, nous on ne rentre pas dedans. Sans compter les grèves. Mais on va continuer, on va durcir le mouvement. Il y a des opérations de dernière minute. Je vais être très simple, je l'ai dit dernièrement. Si vous avez un judoka qui souhaite justement faire son épreuve, eh ben, il fera son épreuve sur le bitume. Voilà, on bloquera toutes les épreuves. Voilà, c'est clair. C'est pas qu'on veut tout simplement prendre en otage les JO, c'est qu'on nous prend en otage. On nous prend en otage. Et je leur ai dit, vous êtes en train de favoriser un acteur qui est sous les plateformes. C'est les taxis qui menaient la guerre contre Uber. Certains, je dis pas tous, certains sont chez Uber. Parce que Uber, ce qu'ils font, c'est que chez certains VTC, maintenant, ils les font passer taxi. Vous savez? Parce qu'ils savent très bien que les VTC ne pourront pas emprunter les voies réservées. Donc tout est calculé. Tout ça est calculé. Cette feuille, c'est la feuille de route des plateformes numériques. Voilà. Feuille de route, les taxis, bah, ils seront débordés et pas impactés. C'est hyper important de le dire. Les cartes, alors, les cartes qui sont trop distribuées, qu'est-ce que vous n'avez pas l'équipe là? Bah écoutez, la liberté d'entreprendre, c'est la réponse. Ça veut dire que n'importe qui a le droit d'exercer dans notre profession. Voilà. Donc c'est les portes ouvertes à tout le monde. On pourrait avoir par exemple 500 000 chauffeurs et sans forcément d'être très regardant sur les contrôles. Qui vous a reçu exactement? Des conseillers, donc conseiller social, la conseillère sociale, donc Madame Pardessus et Monsieur Bosque. Sur les taxis, les manifestants, depuis semaine, ils disaient eux aussi qu'ils vont voter les JO, c'est un peu quoi ce qu'ils veulent. Mais ils ont raison. Est-ce qu'on peut voir une alliance peut-être JO et... Ben nous, de toute façon, dans tous les cas, c'est... nous, on a toujours appelé à l'alliance avec les taxis, parce que comme je vous ai dit, vous savez, il y a une bataille qui est en train de se mêler entre taxis et VTC, c'est une fausse bataille. Nous, on sait très bien, et c'est là ils utilisent la maraude électronique pour diviser, on sait très bien qu'elle est interdite aux chauffeurs VTC. Mais c'est pas nous les responsables, c'est les plateformes numériques qu'on veut pas condamner. Aujourd'hui, on veut une cohabitation saine entre les taxis et les VTC. Il y a une cohabitation qui existait. Et aujourd'hui, ils font tout pour nous diviser. Pourquoi? Parce que ça les intéresse plutôt qu'on aille en guerre entre nous que contre eux. Mais je vous rappelle que le plan taxi... Divisé pour mieux régner. Le plan taxi, on parle du plan taxi à Bruxelles, ce sont des taxis et VTC qui ont été réglementés en même temps. Voilà. On va tout bloquer. On va tout bloquer. On bloque nous. 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 On bouge pas. La police avec nous. On bouge pas. Ils vont rester là et aussi. C'est des jeux.
On écoute. Alors vous pouvez suivre en live. Vous pouvez suivre en live. Non, d'accord. Bon d'abord, si je suis venu, c'est parce que je soutiens votre mouvement. Et pour moi, c'est pas nouveau. Brahim avec. J'irais dire, on est mobilisé déjà depuis combien, Brahim? 3 ans, 4 ans dans cette affaire. 4 ans dans cette affaire. Je voulais vous dire que il y a eu ce mirage. Il y a eu ce mirage d'Uber. Où on vous a vendu, on nous a vendu. Un imaginaire qui est un cauchemar. Pas de protection sociale, pas de respect du droit du travail, peu de discussions sur les tarifs, etc. Et je voudrais vous dire que là, vous êtes chauffeur, mais j'ai regardé, il y a des coursiers, des chauffeurs, il y a des femmes de ménage qui sont concernées par l'ubérisation, par les plateformes numériques de travail. Il y a aussi des ouvriers de la logistique, des intérimaires, des freelances, des restaurateurs. En gros, le problème que vous posez, si j'ai bien compris ce soir, il concerne des milliers de gens qui travaillent, des hommes, des femmes. Et pour se dire les choses, je sors là d'un débat qui était sur la loi immigration et aussi la loi de finances.
on voit bien et on le sait, d'après les syndicats, près de la moitié des hommes et des femmes qui travaillent dans tous ces métiers-là, dans tout ce travail-là, sont sans papiers. Et on leur refuse d'avoir des papiers. Donc on est dans une situation extrêmement tendue et violente de ce point de vue-là. Et ça, c'est le capitalisme de plateforme, c'est simple, avec un mensonge sur l'autonomie. Moi, je me rappelle, on vous a vendu l'idée, vous alliez être vos propres patrons, vous alliez connaître le paradis des salaires extraordinaires, etc. Et on a créé le statut d'auto-entrepreneur, le statut d'indépendant. Je vous le dis aujourd'hui, la moyenne de recettes, c'est-à-dire de revenus pour un indépendant en France, c'est pas plus de 1200 euros par mois. Voilà. Donc, excusez-moi, mais ça, c'est loin des très hauts salaires et des très hauts revenus que certains ont. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que vous êtes là ce soir, mais je vous ai accompagné pour certains. Vous avez gagné devant la justice. C'est ça. J'ai été au procès de Deliveroo. J'ai été dans plusieurs bagarres de votre part qui sont extrêmement difficiles. Et c'est pourquoi l'autre soir, en plein débat au Sénat sur les missions, j'ai proposé un amendement pour que tous ceux qui travaillent dans les plateformes numériques de travail, ils aient une aide juridique. Pourquoi ? Parce que quand vous travaillez dans une plateforme numérique de travail, vous n'avez pas après le chômage, vous n'avez pas après le chômage partiel, vous n'avez plus de revenus, d'où la difficulté de vivre et de payer un loyer, mais aussi l'incapacité pour vous de vous défendre juridiquement. Parce que moi, j'ai été à ces procès-là et j'ai vu la batterie d'avocats qui étaient ceux de Deliveroo, d'Uber et d'autres. Et là, il y a en face de vous un mur d'argent quand même et un mur de moyens. Et j'ai donc essayé de bagarrer au Sénat, mais malheureusement, la majorité n'a pas retenu cet amendement, qui était une aide juridique pour l'ensemble des hommes et des femmes qui travaillent dans les plateformes numériques de travail. Après, il faut être content ce soir. Donc il faut manifester avec, de manière paisible, de manière responsable et pacifique, mais vous avez le droit d'être content aussi. Parce que vos bagarres ont permis à ce qu'à l'échelle européenne, il y ait une directive européenne qui vient d'être votée, qui inverse la charge de la preuve. C'est que maintenant, et ça, il faut que vous soyez fiers de ce que vous avez fait bouger avec d'autres, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes numériques sont en devoir de prouver qu'il n'y a pas subordination. Et donc, si vous choisissez et vous voulez avoir le statut de salarié, vous pouvez l'avoir. Et ça, c'est énorme. Et ça, c'est énorme. C'est qu'on a inversé un processus d'une logique qui était inacceptable. C'est qu'on vous déconnecte à n'importe quel moment, on vous fait bouger n'importe quel moment, et là, on met les plateformes en responsabilité de prouver qu'il y a une subordination, donc un donneur d'ordre, des conditions de travail, des conditions de rémunération, etc. Ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je parlais de dette juridique. Dites-le autour de vous, à ces hommes et ces femmes qui travaillent dans les plateformes numériques de travail. S'il y en a un ou une qui fait la preuve que la plateforme de travail devrait le qualifier en salariat, ça peut être valable pour tous les autres maintenant si cette directive est appliquée. Donc c'est important pour l'ensemble de ceux et celles qui travaillent. Voilà. C'est un sénateur qui vous explique les travaux qui mènent sur l'ubérisation, vous mélangez tout. Attendez deux minutes. On va parler des JO là. Non, non, mais vous pouvez. D'abord, je vais vous dire un truc, je suis un homme qui est comme d'autres. Très accessible. Accessible et pour la liberté d'expression de chacun. Voilà, donc vous avez le droit de parler ce que vous voulez, des JO ou d'autres sujets. Démission.